Un mardi après-midi, début janvier, différents acteurs du monde associatif d'Abbeville, se connaissant bien, se sont retrouvés au Centre culturel Saint-André autour de l'APAP, l'association Picarde d'action préventive qui a pignon sur rue, celle de Doulan, à deux pas du quartier du Soleil Levant. L'APAP a aussi une partie de ses activités sur Amiens et travaille depuis plusieurs années sur le quartier d'Étouvy, d'où la présence d'un groupe d'habitants de ce quartier venus témoigner d'une initiative qu'ils ont engagée voilà 4 ans. Grâce au soutien de l'APAP et de son espace de vie sociale, cette initiative a donné naissance à la création d'un jardin potager collectif où ont pris racine de multiples projets. Mais c'est le film qui raconte le mieux cette expérience, avec des images que nous avons tournées au cours de l'été dernier. On est une association, la IES, Association Initiative Solidaire, où on travaillait avec des maraîchers. On a appris des choses chez le maraîcher, donc c'est Olivier de la ferme des Tilleuls à Gentelles, Olivier et Claire. Et du coup, on a appris plein de choses. Et on s'est dit pourquoi ? Parce que comme en fait, il y a des gens par rapport au créneau, aux horaires, ça ne leur correspondait pas par rapport au boulot, les enfants, on s'est dit si on avait un jardin sur Étouvy, eh ben, on mettrait déjà en application ce que l'agriculteur nous fait, nous explique, et ça pourrait aussi faire participer des personnes qui ne peuvent pas venir sur les chantiers. Ce jardin, ce n'est pas un jardin uniquement pour la IES, c'est pour les habitants du quartier, mais aussi les habitants qui ne sont pas forcément du quartier. C'est un jardin ouvert. Alors ouvert dans le sens où on peut venir y travailler ensemble, mais ce n'est pas un jardin personnel. Nous, chez nous, alors ce qui est très bien, mais pour nous, du coup, c'est un peu contraignant, c'est que les gens retrouvent du boulot. C'est super!